J'aurais jamais dû accepter ce paquet. Je suis pas un dealer. Je te le jure, papa. Il faut que tu me crois. Bien sûr que je te crois. C'est une affaire fédérale. Le droit pénal est très précis à ce sujet. Jason risque 10 ans de prison. 10 ans ? À terre ! Face au sol ! Les États-Unis contre Jason Collins. Je respecte la loi sur les peines planchers. Je vous en prie, je veux juste aider mon fils. Si votre fils nous aide à arrêter des dealers, nous pourrons obtenir une réduction de peine. Quoi ? Que je devienne une balance ? Jamais. Et si moi je le faisais ? Si moi je vous aidais à les arrêter ? Sur nos chantiers travaillent plusieurs ex-dollars. Il y en a peut-être un qui a gardé des contacts. J'essaie de reconstruire ma vie, ok ? Je le fais pour ma famille. J'ai juste besoin qu'on me fasse entrer dans ce milieu. J'aimerais que tu m'expliques ce que tu fais ici. Je travaille dans le bâtiment. J'ai pas de marchandises ni de réseau. Mais pour tout ce qui concerne le transport, là j'ai ce qu'il faut. Il a l'air prêt à rentrer dans la partie. Ton chauffeur a parfaitement géré la situation. Ça pourra nous servir. Tu sais vraiment pour qui tu bosses? Ce mec est un ex-paramilitaire mexicain et il contrôle cette région pour le cartel du Nuevo León. Travailler pour nous veut dire faire partie de notre famille. C'est également valable pour ta femme et ton enfant. C'est la dernière étape. Vous arrivez à la franchir et le juge libérera votre fils sur le champ. Je t'aime, Jason. Tu fais le malin avec les fédéraux, mais qu'est-ce qui va se passer quand ils apprendront que t'es infiltré? Ils vont s'en prendre à nos familles, John. Il est hors de question que je laisse l'un des deux camps nous dicter notre destin. Hors de question. Quoi que je fasse ou que je ne fasse pas, Jason va le payer les 10 prochaines années de sa vie. Et si jamais toi tu meurs? Si vous suivez la drogue, les pions tombent. Si vous suivez l'argent, c'est le roi qui tombe. Oui, mais vous savez qu'il ne s'en sortira pas. John, t'es sûr que tu vas y arriver? Fais-moi confiance.